Bonjour, co-créateur, co-créatrice. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 18 juillet 2016. Je suis donc Nadia de ma saison 1 et je suis dans mon jour numéro 8. Donc là, la vidéo va concerner ma journée numéro 7 et ma journée numéro 8, puisque hier, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo. Et en même temps, donc comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai démarré le coaching de Lilou en vidéo. Donc pour une vie extraordinaire et ce matin c'était la vidéo du jour 4, donc j'ai un petit décalage. Alors pour le défi des 100 jours, donc pour une vie épanouie, puisque c'est mon défi qui est assez large et je me rends compte qu'il implique pas mal de choses. Donc hier c'était mon tableau de visualisation. Je l'ai créé, ah j'ai oublié de le... Je voulais vous le montrer, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Donc voilà, je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà, ça c'est mon tableau de visualisation que j'ai fait en informatique et que j'ai imprimé. Du coup, moi, je n'ai pas fait de découpage. Et avant de faire le tableau de visualisation, j'avais fait un brainstorming avec une vie épanouie. Un brainstorming, ça donne à peu près, vous voyez, à peu près ça. C'était très simple. Mon tableau n'est pas non plus... est vraiment dans la simplicité. Et d'ailleurs, je m'étais dit que je pourrais peut-être faire un tutoriel sur comment faire un tableau de visualisation avec Gimp, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que moi, je n'avais pas de magazine, j'avais pas de choses à découper. Par contre, j'avais plein d'idées. Et sur Internet, on a une source d'informations et d'images qui est exponentielle. Donc, ouais. Et je sais pas si vous avez vu dans mon tableau de visualisation au milieu, parce que j'ai entendu la vidéo de Lilou avant-hier. Je crois qu'il parlait de ses déesses et j'ai mis une déesse en fait, orange, puisque orange c'est ma couleur préférée. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc je vais pas rentrer dans le détail de mon tableau de visualisation qui concerne donc une vie épanouie. Et j'avais mis quatre domaines qui sont mes amis, ma famille, mon environnement et l'aisance financière. Alors parlant des aisances financières, parce que souvent, c'est pour ça que j'avais du mal à faire mon tableau de visualisation, en fait, parce que je ne suis pas axée sur le matériel. Et dès qu'on parle d'aisance financière, dès qu'on parle de tableau, en fait, on a tendance à mettre la maison des rêves, la voiture, voilà, un compte en banque bien fourni. Et moi, ça ne me parle pas plus que ça. Donc, et par contre, j'ai bien su, parce que je veux quand même, je ne suis pas contre l'argent, bien au contraire. J'aimerais en avoir beaucoup, moi beaucoup, oui, tout ce qu'il faut en tout cas. Et donc je l'ai symbolisé par une corne d'abondance avec plein de fruits. Ça me parle beaucoup plus en fait que des billets. Voilà, parce que pour moi l'argent n'est qu'un flux qui doit être utilisé, c'est qu'une représentation ponctuelle. Dans mes amis, donc j'ai mis beaucoup d'échanges. C'est symboliser les échanges en fait, c'est surtout ça. Dans ma famille, bon, c'est une réunion, c'est toute génération en fait. Et dans la nature. Et mon environnement est symbolisé par un courant, je dirais, il y a une rivière qui passe devant, la nature, la simplicité en fait. Voilà ce que représentait mon tableau de visualisation. Donc ça, c'était l'exercice d'hier donc dans les vidéos que Lilou nous envoie dans le coaching. Et c'était la vidéo, je crois, donc forcément du jour numéro 3. Voilà. Je vais revenir après sur les intentions et puis sur ce que j'ai vécu parce que c'était un week-end assez intense pour moi puisque j'avais décidé de passer ce week-end. C'était un week-end, j'en parlerai tout à l'heure, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, et aujourd'hui, alors la gratitude, oui, donc dans les vidéos, c'était la gratitude, cinq choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Alors pour moi, la gratitude, je la pratique depuis pas mal de temps. Donc comme je vous le montrais la dernière fois, j'ai un cahier de gratitude. C'est vrai que ça, je remercie souvent. J'adore, je suis très reconnaissante envers la vie, l'univers, envers tous les gens qui me côtoient, qui m'entourent. J'aime beaucoup en fait. Et j'avais noté la citation du jour, oui, aujourd'hui, le meilleur moyen de prédire le futur est de l'inventer. J'adore cette phrase, elle me parle beaucoup. Elle me parle beaucoup. Alors pour en revenir à ces 2 jours, en fait, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, j'ai 46 ans, je suis aujourd'hui divorcée et j'ai accumulé, comme beaucoup d'entre nous, accumulé, accumulé, accumulé beaucoup d'objets, beaucoup de choses, parce qu'ils représentent sentimental et tout. Et j'avais décidé, moi,
force ou par nécessité ou parce que ça se trouve comme ça, que ce week-end, sur 2 jours, j'allais passer avec donc mon ex-mari, puisqu'on est toujours en bon terme, et c'est lui qui garde tous ces objets qui représentent tout mon passé. Donc j'en ai 48 et mes objets, j'ai commencé à en accumuler dès l'âge de 8-9 ans. Et j'en ai 46. Donc ça fait plus de presque 40 ans d'accumulation. Et chargé en émotions, parce que j'ai, comme beaucoup d'entre nous, vécu des choses plus ou moins faciles à vivre, qui font que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Donc, des choses à l'âge de 9 ans, donc je ne parlerai pas ici. À l'adolescence, autre chose. Ma vie de jeune maman, puisqu'à 26 ans, j'étais célibataire avec 3 enfants. La perte de mon père à 29 ans, qui là est très dur. Oups, l'émotion qui monte. Elle va passer, c'est bon. Voilà. Et puis donc récemment, ma séparation avec Jean-Claude, mais qui se passe bien. Donc, mais bon, c'est quand même toute une étape en fait. Parce qu'on a quand même, ça fait 18 ans au mois de septembre qu'on se connaît et on s'est mariés en 2004. Donc il y a 12 ans et on a divorcé officiellement. On est officiellement divorcé depuis le fin mai. Voilà, donc j'ai accumulé beaucoup de choses. Donc ça a été beaucoup d'émotions parce que je veux lâcher un maximum de choses. J'en ai lâché beaucoup. Mais il me reste encore un tas que j'ai gardé parce qu'incapable émotionnellement de m'en séparer. Je pense que je vais travailler dessus. Et je pense qu'au fil des jours, là, je recommence le week-end prochain. Je vais pouvoir lâcher. Mais c'est vrai que quand on lâche, il y avait tellement de choses, j'ai pris tous les objets un par un pour lâcher émotionnellement, savoir ce que je ressentais, etc. C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions en même temps, surtout sur une longue période, quoi. Ça va des souvenirs de l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 17 ans, 18, pas 18, 19 ans. 21, 24, des souvenirs à 26, à 29. Bon, après, c'était un peu plus léger. Quoique non, parce qu'il y a une période de 2000 à 2006 où j'ai eu beaucoup d'accumulation aussi. J'étais une bloqueuse autour de l'art du fil. Certaines m'ont connue comme ça, d'ailleurs, certains et certaines. Donc j'ai toute une collection de livres, de techniques que j'accumule depuis l'âge de 9 ans. Donc j'avais commencé avec des livres sur le crochet et qui, énorme. Je crois qu'on ne peut même pas imaginer ce que j'ai. Mais aujourd'hui, je vis dans un espace réduit. Bon, c'est mon choix, j'aurais pu prendre plus grand, mais je veux passer par cette étape. Et je ne peux pas, il faut que je lâche prise sur les objets. Bon, en même temps, c'est un passage, hein, ça fait du bien, mais c'est compliqué de lâcher les objets. Je pense que vous pouvez me comprendre. On met des sentiments sur des objets. Imaginez, j'ai 3 enfants, j'ai gardé tous les cadeaux de fête des mères. C'est magnifique. Je vous remercie. Angela, Jonathan, Noémie, je vous remercie. Noémie, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai beaucoup de mal à m'en lâcher. Et je ne peux pas exposer tout. Les petits colliers de pâtes, les petits confettis dans les petites boîtes, c'est adorable. Tous ces petits poèmes, ces petites écritures, ces dessins. Mais comprenez que je les garde parce que c'est un côté, oui, c'est charmant, adorable, c'est magnifique, c'est des souvenirs. Mais c'est compliqué à garder. En plus, c'est vrai que c'est chargé d'émotions, c'est plein de choses. Voilà, les photos, c'est pareil, j'ai une... Bon, merci maman d'avoir gardé toutes les photos. J'en ai retrouvé encore, je te dirai, cet après-midi. Donc on va pouvoir faire un tri, je vais pouvoir les scanner et les mettre en informatique, ça prendra moins de place. Donc, et tous mes livres. Bon, les romans, c'est vrai que là, cette fois, j'ai pu libérer, mais c'est vrai que j'ai lu beaucoup, je lis beaucoup. Merci aujourd'hui d'avoir inventé les livres dématérialisés, ça prend beaucoup moins de place. Merci. Dans la gratitude, je pourrais remercier cette nouvelle technologie. Pareil, pour tout ce que j'ai pu écrire aujourd'hui, c'est vrai que je peux l'informatiser et donc le garder beaucoup plus facilement. C'est,
C'est merci, mais bon, j'aime beaucoup écrire. Hein. J'écris beaucoup. Hein. J'ai un grand cahier là qui fait 26 cm sur 32. Vous voyez, c'est un grand cahier orange, encore une fois. Qui est à plus. Non, je suis pas encore. Je suis pratiquement à la moitié et je l'ai commencé celui-ci au mois de mai. Mois de mai, juin, juillet, ça fait 2 mois. Donc si je mets 4 mois par cahier, et puis là, si j'écris encore plus, je vais avoir beaucoup de cahiers. J'aime beaucoup des cahiers. Mais bon, ça, je relis pas forcément, mais ça me plaît beaucoup. Ça va peut-être prendre moins de place. Donc voilà ce que je voulais partager sur mes 2 jours. Donc sinon, je remercie aussi Lilou pour ce défi des 100 jours. Alors je ne sais pas si, parce que depuis une semaine, c'est vrai que je me sens différente, depuis que ça fait, oui, ça fait une semaine que j'ai commencé, puisque je suis dans le jour 8. Hein. Même si j'étais déjà dans cette dynamique avant, mais là, d'être structurée, d'écouter les vidéos tous les matins, d'écouter aussi tes vidéos journalières, Lilou, sur ton propre défi, et d'écouter d'autres vidéos, bien sûr, d'autres participantes, mais ça met dans une autre dynamique, ça met la vision, le regard ailleurs, ça permet de voir autrement les choses, sous un autre angle. Et c'est vrai que depuis une semaine, bon, en même temps, alors je ne sais pas si c'est le défi de Lilou, si c'est parce que là, cette semaine, j'étais censée être en vacances, mais je pense pas que ce soit ça non plus. Parce que je pense que c'est parce que je suis dans une totale autre dynamique. Alors il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Alors je ne peux pas savoir qu'est-ce qui déclenche quoi. Est-ce que c'est le défi de Lilou? Est-ce que c'est mes pensées, ma façon de penser qui a changé et que je vois les choses autrement? Est-ce que c'est les événements qui sont arrivés qui me font penser ou voir autrement? Voilà, donc je dis merci la vie, quoi qu'il arrive, de toute façon. Voilà, peu importe comment ça arrive, comment ça vient, c'est le résultat qui compte. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi, c'est le résultat qui compte. Et je me sens bien, malgré ces émotions, cette tristesse par moments qui m'a pris pendant ces 2 jours, une petite vague de colère aussi qui m'a pris. Voilà, une grosse fatigue aussi où j'étais obligée de m'allonger un moment pour dormir, sur les deux fois en 2 jours. Une fois en arrivant, là, coup de calcaire, obligée de me coucher et de dormir 20 minutes. Donc c'est vrai que ça remue, 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 remue. Beaucoup de choses à l'intérieur. J'ai remué beaucoup à l'extérieur aussi, manipulé beaucoup d'objets. Mais j'en tire que pour l'instant du positif. Du moins, je suis encore dans cette émotion. C'est toujours l'émotion. Mais ouais. Alors ouais, j'aime beaucoup ce défi. Alors, honnêtement, je ne sais pas si ça vient du défi, mais je pense que oui, ça vient de toute cette dynamique qui se crée, cette façon de penser, le fait d'écrire ses intentions tous les jours. Alors, je suis en train de relire l'intuition que j'ai marquée ce matin. À la fin de la journée, je vais être allégée. Oui, c'est vrai que je commence à me sentir allégée. Allégée dans tous les sens du terme, en plus. Donc, oui. Donc, voilà, chers co-créateurs, co-créatrices. Je ne sais pas si vous voyez derrière, il y a 2 petites roses qui fleurissent. J'aime bien. C'est juste une petite aparté. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne fin de week-end, une excellente semaine, un bon mois de juillet, une bonne préparation pour le 14 juillet. Je crois que ce soir, il y a la finale de foot. J'ai pas de télé, donc je suis pas trop au courant. C'est pas les, mais bon, ceux qui. Bonne finale de foot, plein de bonnes choses. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. Bisous, bisous.